Tracy Erasmus avait surpris son monde mercredi. Dérogeant à ses habitudes, le directeur du rugby sud-africain n'avait pas voulu communiquer la composition des Springboks qui défieront les Bleus. Dimanche, sur la pelouse du Stade de France. C'est tactique. Nous voulons nous assurer que pour chaque poste, nous avons quelqu'un de bon et en forme. Et sur certaines positions, nous ne savons pas encore quelle sera la meilleure option. Avait-il expliqué. Et il ne s'agissait pas que d'un coup de bluff. La composition du 15 sud-africain annoncée ce vendredi matin a réservé de grosses surprises. Alors que les tauliers Andre Pollard et Faf de Klerk étaient attendus à la charnière, ce sont finalement Manny Libok et Kobu Renach qui officieront. A l'inverse, en troisième ligne, l'expérience de Dwayne Vermeulen, 37 ans, a prévalu, poussant Jasper Wies en tribune. Car l'autre grosse surprise de l'annonce du groupe sud-africain réside dans la composition du banc. Alors qu'ils n'avaient pas hésité à mettre jusqu'à 7 avant lors de leur dernier match, les Springboks sont revenus à un banc avec 5 avant et 3 arrière afin de faire de la place à Faf de Klerk, Andre Pollard et Millie Leroux. Nous avons sélectionné l'équipe qui nous donne la meilleure chance de gagner. Sur le choix de Kobu Renach par rapport à Faf de Klerk, les gens n'auraient pas été surpris de l'un ou de l'autre, a justifié le sélectionneur Jacques Nienabé en conférence de presse. Les Français sont bons au pied et utilisent cette option. Nous pensons avoir besoin de Dwayne Vermeulen, mais ça ne veut pas dire qu'il jouera en demi-finale. C'est une sélection basée sur ce dont nous avons besoin pour gagner dimanche. Nous pensons que cette équipe pourra exploiter les faiblesses de la France, même si, quand on arrive au quart de finale, il n'y a pas beaucoup de faiblesses. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup d'occasions et il faudra les transformer, a-t-il poursuivi, ajoutant, l'équipe a été sélectionnée en fonction de l'adversaire, qu'on a analysé. On a pris en compte aussi la forme des joueurs. On aurait pris probablement la majeure partie de l'équipe si c'était la Nouvelle-Zélande en face, même s'il y aurait peut-être eu des changements.